Mercredi 18 mars, je suis avec Stéphane Chazalon, du domaine Chazalon. Stéphane, parle-nous un peu de tes petits là. Parle-nous bonjour. De tes petits. Pour résumer rapidement mon histoire, déjà j'ai commencé il y a une dizaine d'années par passion en achetant 4 hectares de vignes. Et petit à petit, j'ai construit ma cave, acheté le matériel qu'il faut et élaboré des cuvées différentes. Donc, tu ne fais pas que ça. Et sinon, j'ai un autre métier qui est dans l'électronique. Dans l'électronique, voilà, ça c'est un peu ma danseuse, mais qui me prend quand même pas mal de temps. Voilà. Bon, alors tes cuvées, tes petits. Mes cuvées. Il y a une cuvée de blanc en fait, qui s'appelle le Cariclos. Cariclos. Qui est un assemblage de Carignan blanc à 70% avec un peu de Roussanne et de Vermentino. À savoir que le Carignan blanc commence à être très rare en Languedoc, parce qu'il y a quelques années il avait été très décrié. Parce que soi-disant il n'était pas qualitatif. Mais bon, en fait, ils sont aujourd'hui ce sont des vignes de 80 ans sur des petits rendements et on fait un produit différent de ce qu'on peut trouver sur les blancs du sud, moins chaleureux, plus sur la minéralité et qui plaît donc de plus en plus. Voilà. Top. Et tu le conseilles avec quoi? À l'apéritif, mais aussi sur viande blanche et poisson. Très voilà, bien. Parce qu'on a une belle fraîcheur en fait, en fin. Belle acidité. Belle fraîcheur, belle acidité. Ouais. Et ensuite, nous avons la première cuvée de rouge. Et alors, celle-là, elle est très sympathique puisqu'elle s'appelle le Gouletier. C'est déjà un nom qui me plaît. Là, le Gouletier, ça veut dire quoi? Ça vient de quoi? Ben en fait, tout simplement, c'est le chemin qui passe devant chez moi. Le chemin qui passe devant chez moi. C'est un ancien ruisseau, voilà. Mais si on va chercher un peu plus loin... Non, je crois que c'était un goulet, un ruisseau qui descendait de la montagne. Gouletier, il n'y a pas d'étymologie précise. Non, je n'ai pas trouvé, non. Mais par contre, c'est vrai qu'il avait une connotation gouléant, gourmande. Glouglou, voilà, effectivement, Gouletier. Chaleureuse. Et en fait, ce vin, il s'appuie sur une approche gourmande aussi. Il y a une majorité de grenache, 70% de grenache, le reste c'est de la syrah. C'est élevé en cuve pendant 18 à 24 mois, en cuve inox. Et c'est pour préserver le côté très fruit rouge, cassis du vin, avec des fois un peu des arômes orange sanguine même derrière. Voilà. D'accord. Bon, alors on termine parce qu'il y a les clients qui arrivent, voilà, c'est terrible. Et donc, le dernier, c'est l'altitude 658 en 2011. Donc, altitude 658 en 2011, Grenache et Syrah. Syrah Grenache, ouais. Syrah Grenache. Voilà. Altitude 658, pour rémémoriser au Montpellierien, c'est la hauteur du Pic-Saint-Loup quand même. C'est la hauteur du Pic-Saint-Loup. Voilà, tout à fait. Et donc ce vin, c'est un assemblage de Syrah, 70% et de Grenache, élevé 24 mois en fût de chêne, avec des barriques assez âgées en fait, pas pour amener des arômes boisés, mais pour patiner les tanins de la Syrah. Et toujours, moi je recherche un côté élégant au vin. Je ne recherche pas de la puissance, ni de côté chaleureux, plutôt de l'élégance. Un côté féminin au vin, avec aussi une belle acidité. Des vins de repas. Voilà. Bon, et bien c'est super. Et dis-moi Stéphane, des projets? Des projets, pour l'instant, On reste comme ça, tout va bien, ça se passe bien. Voilà, 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 tout à fait. Ok, mais super, en tout cas tes vins sont bien appréciés. Merci. Et continue.